Une lutte pour le maintien au Colisée ce soir, Chalon-sur-Seuil. Au bout des 10 premières minutes sur les différentes statistiques collectives et individuelles, vous en avez l'habitude. Voilà peut-être les deux premiers points. Non, Godwin Omenaka qui est stoppé. Mounou qui essaye de faire travailler son vis-à-vis. Ah, bien fait, très bien fait la réponse de Godwin Omenaka. Le retour de Meredith Omounou, le tir ouvert qui ne rentrera pas, mais ça va être un rebond offensif pour lui. La superbe passe est derrière. Toujours pas de réussite, mais le rebond offensif et le 2 plus 1 peut-être à venir pour Meixel. Et 7-5 en un peu plus de 5 minutes. On n'a pas eu le droit à un festival offensif. Et le end-one. Antoine Eto, le premier tir à 3 points d'Antoine Eto, la gâchette qui va faire se lever le Colisée. Avec Clemens qui cherchait le alley-oop avec Bruno Saint-Galamata, il va bien s'en sortir. Chris Clemens, l'ancien scoreur de J-League, qui a fait lui aussi pas mal de chemin avant d'arriver dans l'est de la France. 2 minutes encore à jouer dans ce premier carton. Antoine est obligé de revenir sur ses pas, trouver un partenaire dans le corner. Shevon Thompson qui vient perdre ce ballon, chippé par Antoine Eto et derrière le petit lay-up d'Olivier Cortal tranquillement. Là aussi un retour, Alexei Nikolic. Top 3 des joueurs qui marquent le plus de 3 points et qui provoquent le plus de fautes. Oh, 6 secondes sur cette possession. A retrouvé Tyron Johnson. Beau mouvement avec Clément Frisch à la conclusion. Possession et l'enchaînement. Bien fait, encore une fois, Lionel Godou. Lionel Godou est derrière, qui est là pour venir mettre la patte, c'est Caleb Wesson. J'ai pas mal d'expérience, pas mal de bouteilles. Du haut de ses 35 ans et de son double maître, Tyron Johnson. Bien fait, très bien fait, Olivier Cortal qui est venu trouver son partenaire, Demonte Harper, dans le dos de toute la défense. Godwin Omenaka. Trouver le Nigérian. Sa première apparition alors qu'il était en grande difficulté dans ses premières minutes. Et Olivier Cortal qui cherchait, qui pensait être retrouvé. Et Chris Clemons qui y va. Voilà. On va suivre ça avec attention et avec intérêt. Walker face à Godou justement. Il est monté très très haut, Caleb Walker. Williams. Godou, bien fait, très bien fait même. On se 4. Et le rebond offensif pour Bruno Saint-Galamata. Viril mais correct. Oh, il est passé. Avec la faute, Bruno Saint-Galamata qui peut montrer les muscles. 5 points pour lui. 3 rebonds, une interception. Cinq points, marqués en 9 minutes, ça fait pas beaucoup. Derrière, Bruno Saint-Galamata qui est là, au contre. Mounou, les deux équipes dans la pénalité. Pas évident tout ça, mais c'est dedans. Et sa patte gauche, un petit peu court Antoine Eto. 7 secondes, restera une possession et derrière on a joué la carotte. C'est bien fait avec Caleb Walker. À 19h, Mathieu Missonnier. Eh oui, et si ça venait de là? Et si ça venait de l'enfant du club? Seul au poste, Tyron Johnson. Attention à ne pas le payer. Hein. Chris Clemons, on le disait, qui vient balancer ce ballon pour Tyron Johnson. Qui allait un petit peu s'enfermer.
Et l'interception de Mehdi Soumoudou. Le lay-up main droite. Plus 8 pour Nancy. Il reste 1 minute 20 à jouer. Antoine Eto'o. Ouais, celui-là, il est dedans, mais il est trop tardif. Et derrière, ils ont récupéré le ballon. Mais qu'est-ce qui se passe? 2-3 points, un coup sur coup avec Alexei Nikolic, les snipers qui se réveillent. Bon, ce tir d'Antoine Eto'o. Antoine Eto'o. Ouais, ça va être un 2 points qui va être choisi. On était venu chercher la faute. Le mec à l'épaule cœur, voilà, c'est terminé. On en restera là. La victoire pour Nancy, 74-70 sur le parquet de Chalon-sur-Saône au Colisée. Nancy qui peut regarder devant.